Ainsi donc, à peine rentrés dans la tour d'Ajashkar, nos deux valeureux aventuriers sont tombés sur une rencontre des plus désagréables. Ah, one shot. Effectivement, au prix de quelques actes héroïques, ils ont réussi à combattre et à mettre au sol deux grands andractes, deux grands lions de marbre au sol. Il est vieux toujours. Ouais, ça change pas. Pourquoi on est là déjà? Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, grâce au saut de Pépèche, tout à fait fait exprès, on sait qu'il y a une porte derrière les tentures Ouais, maintenant. ouais. Putain, il est trop fort. Bon C'était des réussites critiques. oh bah, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou? Mais non, il faut retrouver Ajashkar. On peut pas sortir, il y a le mur. Essaye de sortir. Non, mais je vous crois. Un mur invisible. Denis. Denis vieux. Denis vieux. Sachant que il y a donc effectivement une porte qui est derrière, qui était cachée derrière la tenture, mais il y a aussi deux portes qui mènent à gauche et Oui, à à droite. gauche et à droite. Bah, du coup, j'ai tendance à plus aller voir la porte qui était cachée. Celle de derrière la tenture. Parce que si elle s'était cachée, il Ta devait y avoir quelque gueule. chose derrière. Ok. C'était drôle. C'était une petite porte en bois qui débouche directement en fait sur le coude d'un couloir qui va à droite et à gauche. Ouais, punaise qui rejoint peut-être les deux autres portes. Couloir assez sombre, à peine éclairé par une pâle lumière qui filtre par deux petites fenêtres. Bon. À gauche ou à droite, ou est-ce qu'on fait demi-tour? Bah, Est-ce à qu'on peut... gauche, comme ça on pourra revenir vers la porte, la pièce que j'ai explorée tout à l'heure, qui était un Vous petit avez salon. trouvé quoi là-bas? C'était un salon, il n'y avait rien de spécial. Du coup, comme ça on aura fait toute une partie de l'étage. Parce qu'il y a plusieurs étages. Oui. Oui, c'est une tour. Ah, on est dans une tour. Quel tour déjà? La tour d'Ajashkar. C'est qui lui? C'est Ajashkar. C'est conseiller du roi. C'est un sorcier. Comment? Mais personne n'est un sorcier comme toi. Mais en fait, j'espère pas. Ouais, un Ah, seul, ça suffit. elle était magnifique mon combat. Je me suis roulé par terre, j'ai tué un mec comme ça. En fait, les points de magie, ça se récupère en dormant. Non, c'est un point le midi et un point le soir. C'est random ce que t'as dit. Non, Du coup, est-ce qu'on était 11h55? non. Dommage. Donc Non, vous êtes parti à l'aube. on est bientôt midi alors. Maintenant, vous êtes parti à l'aube. Il n'est pas passé très longtemps, là, ça fait un quart d'heure qu'on est dans la tour et t'as déjà manqué de mourir. C'est pour ça, C'est juste au nord du quartier des temples, hein. Vous n'êtes pas parti c'était. On n'est pas à parti 4 en heures de mode voyage. Hein. le Seigneur des Anneaux, la Non, traverse. Oh merde! Pensez-vous qu'il y avait déjà 3 jours qui étaient passés? Bon. Sinon, on n'est qu'un jour. Bon, du coup, je l'écoute plus et je vais vers la gauche. Je le suis. C'est-à-dire la porte de gauche dans Vers le. le. Enfin, le couloir. Je remonte le couloir sur la gauche. D'accord. Ah, bah en fait, il revient. Là, il revient dans mon salon, du coup. Ouais, il revient dans le petit salon. Bon, Mais il y a une porte juste en face de toi également. ouais, on a croisé deux portes à droite et une porte à gauche, donc qui est celle qui ramène vers le truc du trône. C'est ça. Est-ce que dans ce couloir, il y a des fresques ou des choses dans le genre? Dans celui où on est au tout début? Non. Non? D'accord. Donc je suis pas distrait par les peintures et je suis. Non, il y a rien de particulier. C'est vraiment un petit couloir tout lisse. Oh mon dieu. Elle est si petite que ça, Pépèche. Elle est une petite grosse. T'as la Pépèche. Hein? On va te montrer à la caméra, Pépèche. Elle aime pas qu'on la porte en plus, elle est contente. T'as la Pépèche. Pas un bon Je plan, t'ai eu. ça. Je t'ai eu. Ouais, C'est Pépèche. C'est elle est Pépèche. plus grosse que Oh, grande. Pépèche! C'est une grosse Pépèche. C'est bon, t'es célèbre maintenant. T'es pas célèbre, t'es Oh nul. merde! C'est devenu une vidéo de LOLcat. Hop, voilà, c'est bon! Et Attention, y'a bah. personne qui regarde, on s'en fout. Regardez quoi! Oh, la télévision. Ajashka? Ah, C'est qui ça? c'est qui? Bon, du coup, la dernière porte à droite, donc celle qui est la plus proche du salon. Ouais, ok.
Tu ouvres cette porte qui donne sur une grande chambre, très sobrement meublée, qui compte 4 lits, une table, 2 bancs, 2 armoires, un coffre. Un rapide examen te montre qu'il y a 3 lits qui ont l'air d'avoir été occupés. Coin des serviteurs. Donc à la base, coin des serviteurs, mais qui a peut-être été occupé par les gardes. Et une petite porte directement sur la droite. Ah oui. D'accord. Le coffre. Il y a un coffre. Ouais. Faut ouvrir le coffre. C'est peut-être une mimique. Bah, tu ouvres le coffre et il contient des vêtements d'hommes et de femmes. C'est de la merde, ce coffre. Tu es véreux? Non, il va le gardien. C'est pas pareil? Moi je suis parasol. Non, t'es pas parasol. Non, tu veux du marais en plus. Des marais. Tu veux du marais, t'es pas de parasol. Bon, bah du coup, la petite porte à droite. On va continuer d'explorer. Très bien. Putain, on va toujours à droite, c'est bizarre. On visait la gauche avant. Alors là, je vois pas comment je peux cacher ça. Hein. Non, mais tu peux. Parce qu'il y a une petite salle entre deux. Ça l'a pas vu. C'est une grande salle qui comporte tous les éléments ordinaires d'une cuisine. Il y a une cheminée équipée d'une crémaillère, deux grandes tables, différents chaudrons et ustensiles de cuisine. Il y a des morceaux de viande salée qui pendent, des bouquets d'herbes aromatiques séchées. Et dans le coin au sud. Il y a également un petit bassin dans lequel coule de l'eau depuis un tuyau qui sort du mur. Mmh. Le fameux point F. Oui, il y a dans un coin, il y a un rideau aussi qui est pas très bien tiré et qui vous montre qu'en face de la porte en fait de cette cuisine, il y a également un petit escalier en colimaçon. Ouais. D'accord, donc un deuxième accès. Ouais. Il y a également une porte au fond. Il y a une porte à côté de nous. Bon, je pense que c'est la réserve, ça. Bah, vu la taille de la pièce, oui. Mais du coup, on ouvre la pièce par. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est caché dedans. Oui, voilà. Il y a quelqu'un. Tu ouvres la pièce de. Ouais. Oui, effectivement, c'est une réserve. Il y a des tonneaux, tout ça, machin. Et tu dis il y a quelqu'un. Et là, vous voyez effectivement une petite vieille avec un. Un jeune homme et un autre mec qui lui a une livrée du Palais Royal et ils se regardent mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? C'était quoi ce tatamar? Ça c'était les deux lions. Le tatamar. C'est quoi cette expression? C'est le vieux qui dit ça. C'est le tatamar. Vous avez des expressions bizarres, vous. Oui, mais on a entendu un grand fracas et tout. Ouais, tatamar, hein, c'est ça. Ah merde. Ah oui. Il y a eu du bruit. Mais vous êtes qui, vous? C'était la tête du lion, le bruit. Quoi, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu beaucoup de bruit aussi la dernière fois avec les gardes. Oui, il y en a un qui est mort d'ailleurs. Mangé par un des lions. Quel lion? Il y en a plusieurs qui sont morts en fait. Il y a plusieurs cadavres dans la salle. Oui. Sauf que tu les avais pas vus toi. Oh non, pas fait attention. Il y avait un lion au milieu qui bougeait, merde. Eh bien, je suis Hilda, je suis la cuisinière du maître. Et vous? Vous avez la livrée des gardes de cette ville? Donc la même que de ceux qui sont morts. Pourquoi vous n'étiez pas avec eux? Je suis... Vous avez vu les lions? Je suis Otos. J'ai été envoyé par le roi il y a quelques jours déjà. J'étais pas avec les gardes. Quand je suis arrivé... J'étais déjà mort? Non, mais... Je suis tombé directement sur Hilda et Kourik qui m'ont dit que... qu'il se passait des choses étranges et qu'on pouvait plus sortir et oui, entendait et surtout on défendu de monter parce qu'il paraît que il y a un démon qui est à l'étage et qui broie la tête des gens. Oh, pourquoi il ferait ça? Bon, ça peut expliquer les lions en pierre déjà qui bougent. Les lions en pierre qui bougent? Oui. Ah, vous n'avez pas vu ça? Non, non plus. Vous avez vu ça?
Ah, j'ai oublié. Il va s'en manger une déjà, pour commencer. Non, je perds des points de vie. Je peux pas en perdre, je peux pas me perdre maintenant. Mais ça fait combien de temps du coup que vous êtes là? Alors, il y a 5 jours, c'est à qui tu parles, c'est à Otos? Atos et Hilda. D'accord. Deux... Alors, il y a 5 jours, la vieille, elle te dit que elle se souvient, ils se sont couchés au soir, le maître et le disciple travaillaient encore, et au matin, ils ont découvert qu'ils avaient complètement disparu et qu'ils pouvaient pas sortir de la tour. Et après, dans l'ordre, il y a donc Otos qui est venu. Et ils l'ont prévenu, tout ça. Et après, il y a des gardes qui sont venus. Et, mais sauf qu'eux, ils l'ont pas entendu. Ils étaient là dans la cuisine. Ils se préparaient à leur manger, quoi, tranquille. Et puis, ils ont entendu, par contre, le combat. Ils se sont réfugiés dans la réserve, hein, pensant qu'il se passait des choses terribles. Mais ils ont pas pénétré dans la salle d'audience, du coup ils ont pas vu, ils savaient même pas que les lions étaient capables de se mouvoir en fait. Moi non plus. Mais vous êtes qui? Je sais plus. D'accord. Je suis Dorlac, un fier barbare du Valgard. Je t'ai envoyé ici parce que votre garde elle sait pas s'amuser. Ah, ils sont morts surtout. Et moi? Oui. Et moi je suis Bidi, hein, Clodo du coin. Et ça assommé sur une table. On va tous mourir. En vrai c'est bien résumé. Hein. Pour sa défense, la table était vachement costaud. Et quelle table? Celle que tu t'es assommé dessus. Merde. Je vous dire que vous êtes assommé à une table et que vous êtes là maintenant. Oui c'est ça. Je sais pas, j'ai oublié. D'accord. Il oublie pas que ça. Il ah que ça. Mais c'est quoi ça? Il te montre Pépèche. Mais c'est Pépèche. Eh voyons, mais tout le monde connaît Pépèche. Ah bah, bonjour Pépèche. Oui, faut lui dire bonjour. Bah, j'ai de le faire. Hein? J'ai de le faire. Ah oui, c'est bien. Et sinon, vous êtes qui vous? Mais vous êtes pris un coup sur la tête. Pas qu'un. Ah bon? Non, regarde pas. Aïe 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 aïe. Je perds combien de points? 8. Non, on va pas le faire sinon tu vas crever. Tu m'as vraiment fait mal, hein. C'était le but. Bon, et du coup, donc, à l'étage, quelque chose qui se passe qui est pas bien. Juste au premier étage ou au deuxième? Au premier étage. Au deuxième étage, vous savez pas ce qui se passe du coup. Au deuxième étage, on n'a pas le droit d'y aller. D'accord, vous n'avez pas le droit d'y aller. Ah oui, c'est les appartements privés d'Ashashkar. Non, ces appartements sont au premier, mais au deuxième étage, c'est sa salle de magie, et on n'a pas le droit de pénétrer. Ah bah voilà, il a fait une connerie, c'est un mage, de toute façon, on ne peut pas attendre grand-chose de lui. C'est pas très gentil, ce que vous dites. Non, on ne peut pas attendre grand-chose de vous non plus, Billy. Et on ne peut pas aller dans la cave, non. Billy. Billy, Billy. Billy. Faut être honnête, Billy. Au bout d'un moment. Oui, bah vous non plus. Hein. Je vous attends pas non plus. Bon, en tout cas, nous ce qui est sûr, c'est qu'on va finir d'explorer ici. On va essayer de monter. On va voir ce qui s'y passe. S'il y a quelqu'un qui essaye de broyer des têtes, on le défonce. Qui ça? Et puis on va aller voir au deuxième étage ce qu'il a foutu dans sa salle de magie. Comme ça, si c'est Ashashkar qui est responsable, on le défonce. Et puis on pourra sortir. Beaucoup de monde l'a défoncé quand même. Non, ouais. Ouais, mais ça règle beaucoup de choses. J'aurais pas bien. Est-ce que vous allez tenir le coup? Moi, je pense pas, non. Faudrait peut-être mieux de rester avec nous. Mais je sais même pas qui vous êtes. Je pense que vous allez vous rendre compte que c'est pire d'être avec lui qu'avec moi. Bah, cassez-vous alors. mais pourquoi tout le monde est si méchant avec moi? Puis vous, êtes un gros con. T'es un connard, Bidi. T'en fous, tu me dis ça, j'aurais déjà oublié. Tu es un sorcier, Bidi. Tu es un connard, Bidi. Tu es un clochard, Bidi. Et vous êtes qui? Un Bidi, un clodo du coin. Je sais pas ce que je fais là. Bon, du coup, restez caché là. Éventuellement, on sait que, du moins, toute la partie. Alors attends, ça c'était le sud.
toute la partie est à l'air safe de la tour. Et un petit salon, allez vous y poser, vous serez mieux. Oh, on va continuer notre route. Il y a quoi derrière la cuisine? Je monte la porte tout au bout. La salle à manger. Probablement. À côté de la petite fontaine. Oui. Non, en fait, le miroir de la cuisine, c'est quoi de l'autre côté? D'accord. C'est c'est trop compliqué à dire, je crois. C'est une salle de bain. Putain, la vache, elle est aussi grande que la cuisine. Il y a une salle de bain qui donne sur la cuisine. C'est génial pour se faire servir à manger. On peut regarder? Non, on va voir. Ouais, mais si on peut. Putain, la vache, elle est fouillée. Putain, elle est trop. De toute façon, ils vous disent, vous pouvez regarder tout le ouais, il nous explique, ouais. D'accord. Et en 8, c'est un salon de réception. D'accord, ah, le bon, fameux du coup, petit vestibule où on fait attendre. Du coup, le vestibule, c'est. Ah, c'est le truc que j'avais vu. C'était, ouais, c'est ça. D'où l'intérêt de ça, en fait. Ça permet aux servants de pouvoir aller partout sans se faire voir par le reste du ouais. Parce que sinon, c'est un peu con. Ah bah, on est dans la cuisine, on doit rapporter des plats dans la salle de réception, bah on passe dans la salle de bain, ça va les couilles. C'est ça. Ah bah, mec, vous prenez votre bain, bah, ça va les couilles. T'as tout compris. Okay. C'est bien fait, quoi. Franchement. Et t'as vu, ils ont même un accès. Servant. Du coup, nous, on n'est pas des servants, on va prendre accès visite. Bon, bah, faisons le tour rapidement. On fait le tour rapidement. Au cas où, vous êtes qui? Il faut vous y aller. Du coup, vous repartez, vous passez donc en 7. Non, vous oui. Avez. Ouais, vous on fait 7-8 rapidement. Ok. La salle de bain est décorée de belles faïences, luxueuse salle de bain qui comporte un grand bassin creusé dans le sol, avec une large vasque où s'écoule de l'eau d'une fontaine, pareil, toujours avec une sorte de petit tuyau qui sort du mur et qui semble faire couler de l'eau directement dedans, en fait. Il y a un petit fourneau à charbon où on peut faire chauffer, en fait, des pierres volcaniques qui sont ensuite déposées dans le bain pour réchauffer. Vachement technologique. Et après, du coup, le salon de réception, lui, est bien richement meublé. On prend une imposante cheminée entourée de sièges confortables, belle marqueterie, des grands bancs et des choses qui viennent de différents endroits de la Lémurie. En fait. C'est pas mal, chez vous. Notamment des belles figurines en bronze. Voilà. C'est plutôt cossu, on va dire. Ouais. Bon, bien, continuons. Et pour aller où? La salle en face. Salle en face. Oui, la 8. Bah, c'est ça. La 8, c'est ça. Ah, pardon, tu as fait la description des deux. Du coup, on retourne en 1 et on prend l'escalier. On est. Ouais. En fait, ça va être plus simple pour faire apparaître le plan. Non, si, ça dépend de l'escalier. Je serais bien pour plus tenter le colimaçon. Oui, mais moi, je parle de metagame parce que ça va être méga la merde. Non, mais je suis quand même plus pour tenter le colimaçon. Et pourquoi faire? Parce que là-bas, on sait qu'on peut arriver de là-bas s'il y a quelqu'un qui rentre. Donc si on nous attend, c'est là-bas. Là, l'escalier est à moitié caché derrière un rideau. Donc il y a moins de chances qu'on nous attende là-haut. Mais si c'est un démon, il est pas courant, il sait où il faut passer. Alors les amis, est-ce qu'ils vont choisir le grand escalier ou le colimaçon? On va faire un...